pleure. Ah. Pleure. 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 Poupali patou. Pleure. Hé, t'en as rien. Pleure. 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 Tu sais, Flore, je dois dire que j'ai été très impressionné quand tu as tiré la fléchette sur cette cowgirl. Merci, t'es un chouchou. Tu n'étais pas mal non plus quand tu as forcé le coffre pour voler les bouteilles. Zépatant. Nous sommes... Zépatant. Reprenons la marche si tu veux bien. La route est encore longue. Après toi, chou. Après toi, Fleur. Fleur. Chou. Fleur. Chou. Fleur. Chou. Fleur. Chou Bruxelles, brocoli, artichaut, chou romanesco... Mais bon, avec cela, on s'éloigne vraiment des fruits rouges, non? Vous êtes toujours là? Quoi? Non, mais vous croyez vraiment que je vous écoutais? Ah, mais dis donc! Ah, vous m'avez interdit de conduire et de jouer de la guitare en même temps? Je propose qu'on commence une conversation et vous êtes même pas attentif! Ah, mais ça frise l'impolitesse, là, hein? Le chou frisé. Ah, je l'avais oublié. Vous êtes décidément incollable, Wilhelm. De mon côté, Choucal. Le Choucal! Oh, vous l'avez fait exprès, avouez-le. Oh, vous êtes de ce genre d'homme qui connaît ses légumes. Oh, admettez que vous appréciez un minimum d'en parler. Vous êtes bien resté avec moi tout ce temps. Évidemment. Monsieur Rod est parti et m'a forcé à rester pour vous surveiller. Vous êtes une crème, vous le savez? Chou à la crème. Ah non, ça marche pas. Mais qu'est-ce que je raconte? Je sais. Oh, mais je sais ce que vous aimeriez. J'aimerais vraiment vous aimeriez que je vous chante la chanson des légumes. Wilhelm, j'ai la très nette impression que vous essayez de me faire tourner en bourrique. Poireaux, oignons, radis, fenouil, épinards et navets, topinambour, échalotes, rhubarbe et salsifis, maïs, oseille, noix de muscade, soja, tomate, roquette. Wouhou ! Oui, je sais. Sans Jacob, c'est pas la même chose, quoi. Ça sonne pas... harmonieux, hein, c'est pitié, ça? Arrêtez de me parler, Wilhelm, ou bien faites au moins une pause. Ah bah ça tombe bien, parce que j'ai sacrément envie de chialer aux toilettes. Si ça vous dérange pas, j'ai vu qu'il y avait une station-service dans... 1,3 km. Oh, mais vous êtes vraiment doué, en fait. Je déteste ce job pour aveugle. Pourquoi rigolez-vous, Wilhelm? Non, non, pour rien, je pensais à... chourave. Ça suffit. Tournez à droite et fermez votre bouche. Oh, très bien, très bien. Cette discussion fait chou blanc de toute façon. Bonjour, je voudrais... Laissez-moi deviner, vous voulez la clé des WC, c'est ça? Des quoi? Des water closet. Je... Hein? C'est toujours la même chose. Les Gog, la Vespasienne, là où la reine va toute seule, le Berdiquet, l'antre du dragon, le trois trolls, l'endroit où ça chmoute le babout. Bah écoutez, mon vieux, je vous comprends absolument pas. Je voudrais juste aller au petit coin. Voilà. Où ça? Et vous savez, l'endroit pour... Enfin, pour les commodités, quoi. Ah, ben les chiottes, quoi. Faut le dire plus tôt, mon gars. Eh ben oui, eh ben voilà. Auriez-vous l'amabilité, monsieur, de me donner la clé des chiottes? C'est toujours la même chose. Et comme toujours, avec vous autres gars de la ville, vous connaissez pas la règle. Faut acheter pour avoir la clé. Comprenez d'eau? C'est marqué où? Là. Ah oui, c'est marqué sur cette toute petite pancarte cachée derrière les paquets de chips. C'est réglo. Combien pour ce truc? Des framboises confites? Vous êtes sûr de vous? À force d'en entendre parler, j'en ai une envie folle. Puis pour une fois que Jacob n'est pas là... Toujours la même chose. 2,99 s'il vous plaît. Ah bah, ça fait cher la clé des chiottes, hein. Et c'est pas moi qui fais les règles, mon petit. Ah, et c'est qui alors? Oh, je dis ça, je dis rien. C'est toujours la même chose. Génial, bon, bah c'est pas que je sois pressé, mais je vais y aller, hein. Bah, d'un côté ou de l'autre, je risque de finir par tomber dessus, non? Oh, quel emmerdeur! Bon, alors, faudrait que j'arrive à me cacher de la voiture.
Allô ? Allô ? Je suis bien au diner à gaufres ? Franck, c'est vous ? Qui le demande ? Bah, c'est moi, Franck ! Enfin, Wilhelm, le pourfendeur ! Oh bah tiens, ça me fait une belle jambe. Celle dans laquelle vous avez tiré, d'ailleurs. Est-ce que tout va bien par chez vous ? Oh, m'en parlez pas. Comment ça ? Bon, c'est juste que j'ai plus de clients, j'ai plus de serveuses, j'ai plus de gaufres, j'ai même plus la motivation d'aller à la chasse aux myrtilles pour faire des confitures. C'est dégueu ce truc ! J'ai même plus assez de force pour faire une blague sur les framboises. Mais mon vieux, ressaisissez-vous ! La vie est belle quand on sait de quel côté regarder. Faut pas déprimer comme ça. Il faut positiver. Tenez. Vous connaissez la chanson des légumes ? C'est pas que je voudrais être mal poli, Willem, mais si c'est juste pour ça que vous m'appelez, j'ai mieux à faire. Mon émission va bientôt commencer. Ah, bah, bonne émission, alors. Au fait, Franck, attendez. Oh merde, j'y crois pas. Tu avais raison. Bon, y a pas 36 solutions. Je vais avoir besoin de leur aide. J'étais en train de buller, le téléphone a sonné et mon parquet est maintenant mouillé. Vous parlez au téléphone avec Steven Wright de FAT. Steven, ici Wilhelm. J'ai besoin de vous et d'elle. Ah, très bien. Vous avez de quoi noter ? Poireau, igname, navet, kiwi. Ah merde, c'était quoi les paroles déjà ? Ah mais je suis stupide ou quoi ? Il est vraiment rentré dans ma tête ! Et d'ailleurs, il fait quoi, là ? Steven, je dois y aller. À tout à l'heure. Pourfendeur un jour, pourfendeur toujours. Steven White, de FATG. Tenez. Merci, et bonne continuation. Laissez-moi deviner, vous êtes pas allé aux toilettes, vous, c'est ça ? Comment vous le savez ? C'est toujours la même chose. On se fait enquête pour satisfaire le client, on donne de notre personne, et on se retrouve en train de courir comme des dératés au beau milieu de la nuit dans un champ, pendant que ces couillons sont bien au chaud dans leur maison. Regarde, on voit même Victor à la fenêtre de l'étage. Putain, mais c'est pas vrai, il s'est barricadé chez lui, cet enfoiré. En même temps, c'est pas une grosse perte. Tu penses franchement qu'il aurait été utile ? Non, c'est vrai, mais bon, s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est la lâcheté. Tiens, il va prendre son bain, on dirait. On peut peut-être lui faire coucou d'ici. Ah. Bon, sinon, c'était pas mal l'idée de monter sur le grillage du cimetière, mais je compte pas y rester jusqu'au petit matin, perso. Ouais. Et je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que plus on reste dessus, plus il penche en arrière. Ah, peut-être. On va finir par se retrouver par terre d'ici peu, à mon avis. C'est vrai que t'as pris un peu de poids. Quoi ? Mais tu rigoles ? T'as vu tes fesses ? Quoi, mes fesses ? Qu'est-ce qu'elles ont, mes fesses ? Développe un rembourrage naturel, c'est plus confortable pour voyager en voiture, c'est tout. Si, tu le dis. Moi, je crois que c'est plutôt dû à la teinte de confiture de myrtille que t'ingurgites tous les jours. Bref, c'est pas trop le moment de parler de nos fesses. Va vraiment falloir trouver quelque chose pour descendre de là. Ouais, c'est vrai qu'ils commencent à être un peu nombreux, là. Merde, d'habitude, c'est Willem qui prend des décisions. J'ai mon katana. Je peux commencer par couper la tête des premiers en tendant un peu le bras. Non, ça c'est pas possible. Mais si, c'est possible. T'as vu de quoi j'étais capable sur le toit de Color TV ? Alors c'est pas deux ou trois zombies qui vont m'arrêter. Non mais je ne doute pas du tout de tes capacités de tueux psychopathes, mais on peut pas les tuer. Comment ça ? Suffit juste de bien viser la tête et... Tu comprends pas, c'est la règle. Avec Wilhelm, on ne tue jamais un monstre. Quoi ? Mais t'es pas bien ! Ils sont des dizaines ! Comment tu veux t'en sortir sans les buter ? C'est comme ça, c'est la règle, faut pas les buter. Mais c'est pas vrai ! Mais t'es débile ou quoi ? T'as une meilleure idée peut-être ? Ou alors t'as vraiment envie de finir comme eux ? D'autant qu'ils sont déjà morts, hein ? Alors un peu plus ou un peu moins ? Oh, tu te calmes, oui ! Je vais essayer de leur chanter une petite chanson. Pour aller les capturer comme ça. Les capturer ? Les capturer tous ? Mais t'es malade ! Déjà, la machine n'est pas en place, et puis jamais elle pourra en mettre autant en bouteille en un seul coup. Mais merde, ah, c'est pas faux. Et puis, pour qu'ils t'entendent tous, il te faudrait un micro et un ampli. Bon, ok. Va falloir trouver autre chose alors.
Je peux peut-être leur tirer dans les jambes pour qu'ils s'éclatent la gueule par terre. J'ai mon flingue et encore quelques balles dedans. Parce que t'as ton flingue en plus ? Et tu refuses de le buter ? C'est encore mieux qu'un stand de tir à la foire, tu déconnes ! Bordel ! Je te reconnais plus. Je te dis que je ne tuerai pas ces putains de zombies. C'est pas négociable. Bon, écoute, tu me saoules. Peut-être que tu veux pas les buter, mais moi, ça commence à m'emmerder d'attendre ici comme une débile. Alors je descends, je leur tranche la cervelle et on empoche le pactole. Putain, mais c'est pas vrai, mais tu bouges pas d'ici ! Sinon quoi ? Tu vas me tirer dessus peut-être ? Ah, tu sais que j'en suis capable. C'est pas faux. Mais tu sais quoi ? Prends un risque. Quitte à mourir ce soir, je préfère crever en tranchant des têtes. Ah, mais c'est pas vrai ! Ah ! Mais t'es malade ! Je t'avais prévenu. Mais c'est ta tête à toi que je vais découper en rondelles. Attends. Attends quoi ? Chut. J'en ai ras le cul d'attendre ! Chut ! Ça fait 10 minutes qu'on est coincé en haut de ce grillage ! Attends, regarde ! Il y a une silhouette en bas de la maison de Victor. Mais qu'est-ce que... Hein ? Ah ouais ? Putain, et c'est Archie ! Le vieux ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Eh, hey, un peu de respect pour Archie. C'est toi qui l'as appelé le vieux toute la journée. Ouais, mais moi c'était affectueux. Eh ben, vous êtes foutus dans un sacré pétrin. Ça m'emmerde de vous dire ça, mais on aurait bien besoin d'un coup de main. Faut dire que monsieur, le pourfendeur ne veut pas tuer de zombies. Il n'a pas entièrement tort. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi ? Ça vous dirait pas de nous rejoindre ? Ce serait peut-être un peu plus facile pour discuter, non ? Je veux bien, mais comment on fait ? Dès qu'on va descendre, ils vont nous bouffer. Si vous partez chacun d'un côté, un vers la gauche, l'autre vers la droite, ils ne sauront pas qui suivre. Ça devrait les ralentir un peu. Déjà qu'ils sont pas très rapides. Ah, c'est pas bon. Tu vois, lui, il a pas eu besoin de 10 minutes pour avoir une idée. Et oh, t'as fait plus d'études que moi, t'aurais pu y penser aussi. Et puis il est pas perché en haut d'un grillage, lui. Moi, j'arrive plus à réfléchir dès que j'ai le vertige. Ça fait quand même beaucoup de conditions pour que t'arrives à réfléchir. Oh. Ah, mais je comprends mieux, du coup. Ah. Bon, je vais à droite, toi tu vas à gauche, on se rejoint là-bas. Ok, bon, faudrait qu'on soit synchro. Dès qu'on arrive assez loin, on se fait signe et on descend en même temps, ok? D'accord, c'est parti. Eh ben, c'est pas gagné. Les doigts dans le cul. Ouh, on dit pas les doigts dans le nez, plutôt ? Ah, ouais, bah peut-être. Enfin, on les a semés, n'empêche. Vous les avez surtout dispersés. Ça nous laisse un peu de temps pour mettre en place les machines. Comment ça, les machines ? À la base, j'étais venu ici pour vous apporter ma machine. Elle est bien mieux conçue que la vôtre. Puis, j'ai vu que votre voiture n'était pas là. J'ai failli repartir, mais j'ai entendu un coup de feu. J'ai supposé que c'était vous. Ah, et comme quoi, j'ai bien fait de tirer. Fais pas le malin. On en reparlera tout à l'heure. J'en déduis que Willem est parti. Ouais, Chris Rod a volé les bouteilles et Willem est parti les récupérer. Enfin, en quelque sorte. Je pense que vous avez intérêt à le rejoindre rapidement. Chris Rod est plus dangereux qu'on ne le pense. Ouais. Je suis en train de mener ma petite enquête sur lui. Une idée maintenant pour rassembler les zombies ? Peut-être bien. Il va me falloir les cartouches que vous m'avez empruntées, Jacob. Hein ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez c'est parler. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la limace. Je suis pas encore tout à fait sénile. Ah, mais je comptais vous les rendre. Tu pars. Vous avez bien votre fusil avec. Ouais, ouais, les cartouches et le fusil sont à côté de la machine, derrière la cabane là-bas. Ramenez tout ça ici, en vitesse. Je cherchais ma machine et une vingtaine de bouteilles. Elles sont dans mon coffre. Mais c'est quoi votre plan, là, si on les bute pas avec le fusil ? On a 22 zombies à mettre en bouteille. Ah ! Vous les avez comptés ? Bah, faut dire que j'ai eu le temps pendant que vous vous disputiez en haut de votre grillage. Il y en a 12 d'un côté et 10 de l'autre. On va jouer au berger avec eux. Jouer au berger ? Vu qu'ils sont attirés par le bruit, on va en profiter pour les faire aller précisément là où on veut. Ils sont pas hyper commodes, vos moutons, là. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous êtes sûr que ça peut marcher ? Vous avez une meilleure idée ? On va tenter. Surtout qu'on n'a pas trop le temps. Ils arrivent vers nous, là. Ouais. C'est ça, c'est ça. Si seulement je pouvais exploser les vôtres de cervelle, vous feriez moins les malins. Bon, allez, faut qu'on se grouille. On se retrouve vers le grillage, dans 3 minutes. Ça marche. Allez, ça va le faire. Et quand faut y aller, faut y aller. Allez A, allez B, allez C. Je ne sais plus quoi penser. Pour ça ? Ben oui, à chaque fois que tu te gares sur un parking, tu es incapable de retrouver la bagnole. Est-ce que c'est cette allée-là, Chou ? C'est celle-là ? Chou ? Chou ? Chouchou ? Est-ce qu'elle est dans cette allée ? Ou est-ce qu'elle est dans la suivante ? C'est celle-ci. T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Tu es absolument sûr ? Tu m'as pas l'air très sûr. Hey, tu vas...
Tu vas plus dire un mot, ok? Ok, chou. T'as de la chance que toi et moi on partage qu'un seul cœur. Sinon, moi je te mettrai une balle dedans. Oh, regarde là-bas, la voiture. Tu vois? Je savais où elle était. Ouais. C'est pas comme si t'avais mis le temps. Vous avez tout au moins. Oh ouais, c'était pas évident de trimballer tout le bordel. Mais ouais, on est prêt et... Oh putain! Elle est toute petite votre machine. Vous êtes sûr qu'elle marche bien? Bien sûr. Ce n'est pas la taille qui compte, Jacob. Vous devriez le savoir. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Ah mais... Je veux dire que la mienne est nettement plus efficace que la vôtre. Oui, bon, ça va, on a compris. L'important, c'est surtout de savoir l'utiliser. Essayons d'ailleurs de ne pas croiser nos... D'ailleurs, on va la mettre de ce côté-ci, puisqu'il y a plus de zombies. Ok. Oh, du coup, je vais de l'autre côté avec la machine de Wilhelm. Il est tellement maniaque qu'il aimerait pas que quelqu'un d'autre s'en serve. Oh, ça c'est sûr. Ah bon, ça suffit maintenant. Pendant que vous mettez les machines en route, je vais gagner du temps en les éloignant avec quelques coups de fusil. Et pourquoi vous me laissez pas tirer? Je suis la meilleure tireuse de l'Ouest. Je n'en doute pas, mais il se trouve que j'ai développé quelques effets secondaires fâcheux à force d'utiliser cette machine. Je préférerais donc que vous en chargiez. C'est pas très compliqué, je vous dicterai la marche à suivre. Bon, ok. J'aurais préféré le fusil, mais ça marche. Ensuite, il faudra trouver le moyen de les faire revenir vers vous, pour les mettre en bouteille. Ouais, on a prévu le coup. J'ai amené mon ghetto blaster. Bon, je veux pas vous affoler, mais on commence à être encerclés, faut pas traîner. Alors c'est parti. Allez, go! Allez, petit! Ah. Allez, venez par ici! C'est pas facile d'escalader ce putain de grillage avec la machine sur le dos. Ah tiens, je t'avais dit que tu bouffais trop de confiture de myrtille. Quoi? Y'a rien à voir. Ah, j'aimerais bien t'y voir, toi. Vous allez la fermer, vous deux? Ils repartent dans votre direction. Allez, bande de sacs d'os ambulants, venez voir Archie. La machine est en place, Archie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, vous voyez le levier à gauche? Oui. Abaissez-le. Et dès que c'est fait... Tournez la manivelle qui se trouve sur la droite. Ok. Bien. Et ensuite? Maintenant, appuyez sur le premier bouton. Celui... Le premier? Celui tout à gauche? Tout à gauche? Ah non, surtout pas! Je parle des boutons situés sur la face avant. Sur la face avant? Et merde! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai posé la machine dans le mauvais sens. Quoi? Mais c'est pas vrai! Mais bon sang, mais c'est pas très compliqué pourtant! Super, Charlotte, bravo. Oh, toi, ferme-la, hein, ou je t'explose la tête. Bon, appuyez sur le gros bouton rouge pour réinitialiser la procédure. Et je te signale que la machine est prête de mon côté. Je fais de mon mieux, bordel. Alors, vous y êtes? Ah, oui, ça y est. Le levier, la manivelle et le bouton sur la face avant. Bien, bien. La machine chauffe. Vous pouvez déjà mettre la première bouteille en place. Les bouteilles, les bouteilles. Oui, mais bien sûr, putain. Les bouteilles! C'est toi qui les as, Jacob! Et merde! Putain, c'est pour ça que c'était si lourd, cette mais merde! Mais quelle bande de bras cassés! Grouille! Il faut que tu m'en fasses une douzaine! Ouais... Ça passera pas à travers le grillage, crétin! Mais si je les balance au-dessus, elles vont se briser! Mais t'es con ou quoi? Fous-les dans le sac et monte au grillage pour me le donner! Ah! Je sais pas ce que vous foutez, mais grouillez-vous là-bas! Y'a un mur derrière moi! Et tiens, attrape le sac. Allez, on y est presque. Bon, mettez en route cette fichue machine et ramenez-les vers vous. Je peux pas aller plus loin. Ça y est, on peut y aller. Allez, Chachou, lance le ghetto blaster. Ça marche. Je peux plus les tenir. Faites quelque chose. Archie. Tout va bien. Lancez la musique. C'est parti. Ça y est, les premiers arrivent. Et 2-1. Quoi? Et déjà? C'est vrai qu'elle est rapide, la machine du vieux. Et 2-1 aussi. Et 2-2. Et 2-1. 2. Et 2-1. 2. 3. 4. Il est minuit passé et les rayons de la lune transpercent la brume dans un halo bleuté. Dans le royaume des ombres, des cryptes et des tombes, surgissent une terre damnée, des êtres décharnés. Cerveau, à $1 le kilo, profitez donc de la promo. Cerveau, mais pour en profiter, faudra d'abord nous attraper.
nos rues et nos maisons, laissant dans leur sillage quelques membres en putréfaction. Amateurs de chair fraîche, de cerveau bien juteux, mieux vaut partir comme une flèche pour ne pas finir comme eux. $3 le kilo, profitez donc de la promo. Profiter, faudra d'abord nous attraper. Le dernier dans la boîte. Enfin dans la bouteille. Bah c'est pas trop tôt. Ça fait belle lurette que j'ai terminé avec la machine du vieux. C'est vrai qu'elle en a sous le capot, votre machine, Archie. Archie, vous allez bien? J'ai pas voulu vous inquiéter. Qu'est-ce qui se passe? J'étais acculé contre le mur. Et la Ruskov m'a eu. Et merde! Elle nous aura fait chier jusqu'au bout, celle-là. Et c'est grave à quel point? Plutôt grave. Elle m'a mordu à la main. Ah. Ouh. Ah ouais. Ah, il vous manque carrément deux ou trois doigts. Ah, tu m'écrases les doigts. Mais tu vois bien que c'est impossible. Tu es accroché sur ma droite, je suis obligé de prendre le volant. C'est toujours la même histoire. Je voudrais tellement conduire. Mais tu n'as pas le permis. Mais je suis sûr de pouvoir y arriver. Eh bien, tant qu'on aura une voiture américaine, on pourra pas le vérifier. T'avais promis qu'on achèterait une anglaise. Ce qu'on fera... une fois qu'on aura touché le pognon de ce Chris Rod là. Bien dit, Chou. Zépatant. Nous sommes... Zépatant. Où sont les monstres? Où sont les monstres? Où sont les monstres? Où sont-ils? Où sont les monstres? Où sont les monstres? Chou et Fleur les ont enlevés pour colorer tes vues.